devenir un tout petit peu sérieux. Pas le temps de jouer, pas le temps de manger, pas le temps de rire ni de jouer. Dans le regard, le mouvement des narines, les traits du visage, le sérieux se dessine. Il est temps de dire quelque chose de vraiment sérieux. Si tu veux pas m'aider, débarrasse le plancher. J'œuvre en solo, tu me fais perdre mon temps. Je dis de courtes phrases percutantes comme un vrai héros. Il y a le bien et il y a le mal. La ligne entre les deux est claire. Jam City, Tour Titan, 6h, l'heure du petit-déj. Qui parmi vous a envie de chanter une chanson sur les tartes? Je suis rongé par trop de conflits intérieurs. Je suis malheureux depuis tellement longtemps sans m'en être jamais aperçu. Je ressens une grande complexité émotionnelle. Nous aurions dû être sérieux depuis longtemps. C'est fini. Nous ne serons plus un poids pour personne. Nous sommes l'équipe que j'ai toujours rêvé de former. J'ai les muscles tellement bien dessinés. Bouillard ! Il m'est impossible de sourire. Alerte ! Le président nous informe que le missile meurtrier des High-Five est paré à être lancé si nous ne les arrêtons pas. Le monde sera anéanti pour toujours. Robin ! Non, pas maintenant, Starfire. J'ai beaucoup trop à faire. Jeune Titan, en avant ! Que regardons-nous, Robin ? Il fait si noir. Mais bien sûr qu'il fait noir. Combattre le crime la nuit, c'est du sérieux. Oui, mais moi non plus, je ne vois pas grand-chose. Ça rend notre mission encore plus périlleuse. Je pourrais activer ma vision cybernétique, mais ne perdrai-je pas mon humanité ? Robin, il y a une chose que je dois te dire. Non, pas maintenant. On a trop à faire. Au cas où je ne reviendrai pas, ça a été un honneur de servir à vos côtés. Que le spectre... Des pantins. Je vous le confirme. Mais qu'as-tu fait, Robin? Maintenant que vous êtes des marionnettes, vous m'obéirez. Voilà. Wow, je suis bizarre en marionnette. Et regardez comment je me déplace. Et je peux toujours me transformer. Oh. Ouais. Les titans, nous allons courir un petit peu. Jolie vue. Les jeunes titans, vous êtes des marionnettes. Vous êtes censés faire tout ce que je dis. Oui, mais toi aussi, t'es une marionnette. Ah oui, je crois que j'ai pas pensé à tout. C'était pas une bonne idée. Dites, vous savez où sont les toilettes? J'ai un besoin urgent d'y aller. Mais ce n'est qu'un théâtre de marionnettes. Je n'ai pas prévu de toilettes. Et ce théâtre, il a une cuisine. J'ai super faim, moi. Non, désolé. La télé marche pas. Les pages de ce livre sont toutes blanches. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ce ne sont que des accessoires. Mais on veut redevenir des gens, nous. Tu dois arranger ça. Impossible! J'ai vendu nos âmes au sorcier des pantins! Le sorcier des pantins? Le sorcier des pantins! Non, pas le sorcier des pantins! C'est qui le sorcier des pantins? Depuis des temps immémoriaux, le sorcier des pantins a régné sur des terres lointaines et mystiques où il enferme des âmes vulnérables dans des cordes de marionnettes. Pour récupérer son âme, il faut se rendre en son royaume, le défier et avant le coucher du soleil le battre. Si on échoue, on reste à jamais des pantins sans vie à la merci du sorcier des pantins! Nous savons ce qu'il nous reste à faire! Jeune titan en avant! Et l'ascenseur, il marche? 2 secondes, je m'en occupe. Jeune titan, voici le sorcier. On vient récupérer son âme, je présume. Avec vos ridicules petits corps de marionnettes, vous ne pourrez jamais me battre. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Pantin à l'attaque. Pantin à l'attaque. Coup de crayon.
C'est quoi cette délicieuse odeur? Robin a servi le petit déjeuner. Je ne parle pas de cette odeur, mais de celle-là. Mon pote, ramène ton derrière par ici que je puisse mieux le renifler. Oh, tu sens trop bon. Les amis, venez renifler vous aussi. L'odorat d'enfer. Excellent bouquet que tu as là, Cyborg. Huile de moteur et... une pointe de boulette de viande. Encore gagné. Pas mal. Je sais pas vous, mais je pourrais faire ça toute la journée. Eh oui. Y a rien de mieux qu'une partie de cartes après une longue journée à se renifler les derrières et à moucheter des voitures. Tout à fait. C'est vraiment merveilleux d'être devenus des animaux et de... On peut savoir ce qui t'arrive, Starfire? Dehors, j'ai vu un chat. Pourquoi on s'excite comme ça? C'est notre instinct animal, ma belle. Les amis, vous croyez que c'est prudent pour nous de vivre comme des animaux? Évidemment, on reste tous des êtres humains. Contrôler notre instinct animal, c'est ce que nous faisons tous les jours, à chaque instant. Regardez, la lune est sortie.